Oui, bonjour mes amis, donc je viens de regarder les infos sur TF1 ce soir. Et puis bon, il n'y a pas un mot, pas un seul mot sur la grève des enseignants demain. Voilà. Ah, peut-être qu'il aurait fallu que je regarde plus longtemps, mais bon, au bout de. J'ai regardé pendant 12 minutes et apparemment il n'y avait pas du tout de. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas du tout de. Ils n'avaient pas du tout l'intention d'en parler, je veux dire. Donc c'est tout. Maintenant, ils se sont focalisés sur la hausse du prix des carburants. C'est vrai que c'est un gros problème. Mais bon, moi je pense que la seule solution, c'est de détaxer un maximum le prix des carburants. Puisque si vous savez que sur un litre de carburant, vous payez 59% de taxes. 59% de taxes. Donc sur 1 euro, vous payez déjà 50 centimes. 59 centimes, exactement. Donc voilà, le problème il est là, c'est qu'en France, on est hyper taxé sur tout, quoi. Alors, on est hyper taxé sur tout, on est hyper taxé sur le carburant, on est hyper taxé sur les prix de l'électricité, sur les gaz, etc. Donc voilà. Écoutez, quand on pourra plus payer, ben on paiera plus, hein, si je vous dis. C'est. Voilà, c'est tout. Pour moi, la solution, elle est une baisse des taxes. Une baisse énorme des taxes. Pour moi, c'est la solution, c'est ça. Donc voilà. Tant que le gouvernement ne comprendra pas ça, bah, écoutez, tant pis, hein. Merci mes amis, et bon appétit si vous n'avez pas mangé, et puis à plus.